J'hésite encore. Tu sais, elle est encore fort jeune. Oui. Peut-être. On en a parlé. Écoute, Granny Smith, tu me l'avais dit toi aussi qu'elle était jeune. Je ne sais pas si on peut faire. Tu sais, Applebloom, quelle que soit leur décision, nous serons toujours avec toi. Absolument. Même si pour toi, ça peut vraiment tout changer. Jusqu'à la fin de ta vie. Alors, nous, ici présents, avons décidé... que tu étais assez grande pour rester seule à la maison et t'occuper des corvées de l'après-midi. Oh ! J'accepte votre décision. My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, mais pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es ma super contente. Mais rester seule ici pour s'occuper des corvées du jour, c'est une grande responsabilité. Oui, je sais. Et je suis très touchée que vous me considériez tous comme assez grande pour m'occuper de ça. Je ne vous décevrai pas. Bon, si je ne veux pas rater mon train, je ferai mieux de partir. Quand la grande tante Pineapple demande à un poney d'arriver à une certaine heure, il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas en retard. Sois surtout bien prudente, ma petite Applebloom. Et vous aussi, soyez prudents. Je ne sais pas lequel d'entre vous aura la route la plus dure parce que vous devez tous les deux vous rendre dans des villes difficiles à atteindre. Oui, on sait, Granny. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté qu'Applebloom reste ici. C'est vrai? Oh, ne le prends pas mal, mon petit sucre d'orge. Mais tu sais que je prends ma mission de grande sœur très au sérieux. C'est pour ça que j'ai passé toute la nuit à faire ça. Qu'est-ce que c'est? Juste une petite liste de rappels utiles. Il y a de la soupe pour toi dans le frigo. Fais attention à ne pas trop la faire chauffer. Si elle est trop chaude, souffle dessus pour la refroidir. Bois par petites gorgées. Autrement, tu risques d'avoir le hoquet. Tu n'as vraiment pas à t'en faire. Je suis capable de m'occuper de moi et des corvées. Je suis prête. Ah, je n'en doute pas une seconde. Mais moi, ça m'ennuie de te savoir toute seule. Mais tu me fais confiance et tu penses que je suis assez grande pour m'occuper de tout en votre absence, n'est-ce pas? Ah, mais oui. Bon, allez. Bonne chance, petite sœur. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. À bientôt. Yep. Big Mac, j'étais en train de penser à Applebloom. Tu crois qu'elle va s'en sortir toute seule? Ouais. Oh, j'arrête pas de penser aux choses que j'ai oublié de mettre sur la liste. Par exemple, j'ai oublié de marquer que si elle voulait prendre une cuillère dans le tiroir, il fallait d'abord qu'elle ouvre le tiroir. Oh, je sais que c'est sûrement un peu stupide. Ouais. Mais je me sentirais beaucoup mieux si je vérifiais une dernière fois qu'Applebloom a bien tout ce qu'il lui faut.
n'a qu'à aller faire ta livraison. Je vais aller jeter un petit coup d'œil à la maison et ensuite je ferai la mienne. Alors, numéro 172, n'oublie pas d'activer le soufflet pour que le poêle reste chaud. C'est bon, assure-toi que le placard à ruban et chapeau est bien approvisionné. C'est bon. Voilà, j'en ai fini avec la liste d'Applejack. Maintenant que j'ai fait toutes mes corvées, et puisque je suis toute seule, c'est moi qui peux décider de tout. Si je veux écouter de la musique, je peux. Si je veux lire un livre, je peux. Si je veux rester ici dans la cuisine à me parler à moi-même, je peux. Applebloom? Applejack? Je suis revenue voir si tout allait bien et je ne le regrette vraiment pas. Je n'avais jamais réalisé à quel point ça pouvait être dangereux ici. Merci, mais je t'assure que je m'en sors très bien. Maintenant, oui, parce que je suis revenue et je vais rester. Il est hors de question que je laisse ma petite sœur se débrouiller toute seule ici. Je ne suis pas un bébé, je n'ai besoin de personne. Et puis je te rappelle que tu as des tartes à livrer. Les tartes? La famille, c'est plus important que les tartes. Mais je m'en sortais bien. Et puis tout ce bazar, c'est quand même un peu à cause de toi. Oui, je sais. Je n'aurais jamais dû te laisser toute seule. Mais je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Je suis parfaitement capable de rester ici toute seule. Je t'assure. Tiens, regarde. Il y a de la soupe pour toi dans le frigo. Qu'est-ce que t'as dit? Regarde-moi. Oh non! C'est encore pire que je ne le pensais. Mais ne t'en fais pas, Applebloom. Maintenant que je suis là, je ne te laisserai plus jamais toute seule à la maison. Je serai toujours à tes côtés. Toujours. Applebloom? Applebloom? Applejack s'en fait un petit peu trop pour moi. Mais je suis sûre que ça va lui passer. Si t'as besoin de quelque chose, je suis là. Je sais que tu veux être gentil, mais je n'ai pas besoin que tu sois tout le temps derrière moi. Je suis capable de me débrouiller toute seule. Regarde. Hé, qui a mis un oreiller sur ce râteau? Oh, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup sa petite sœur et qui ne voulait pas qu'elle se fasse mal. Applejack, regarde comme je sais faire tomber les pommes toutes seules sans qu'il m'arrive le moindre accident. Hein? Oh! Grande sœur t'a abandonné une fois, mais je te fais la promesse que ça n'arrivera plus jamais. Mais enfin, tout va bien. Je suis capable de me débrouiller toute seule. Je n'ai pas besoin que tu sois toujours sur mon dos. Oh, comme c'est mignon. C'est vraiment gentil de toujours vouloir me rassurer, mais ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. Toujours. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir rapidement. Hé, Applebloom, tu veux quelque chose? Un sandwich, un massage des sabots? Ou peut-être un sandwich et un massage des sabots? J'aimerais bien qu'on s'occupe de moi comme ça. Non, merci. D'accord, mais si jamais tu as besoin de quelque chose, tu sais que je suis juste à côté. Oh, tu vois ce que je veux dire? Si ça continue comme ça, je ne serai jamais capable de faire quelque chose sans avoir Applejack à côté de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Attends un peu. J'ai trouvé. Quoi? Les tartes. Je vais aller discrètement les livrer. Grand-mère a dit que les villes où elle devait aller étaient très dures à atteindre. Si j'arrive à le faire toute seule, ça montrera à Applejack que je n'ai pas besoin qu'elle me surveille tout le temps.
Peut-être, mais il y a juste un petit problème. Dans une minute, ta sœur va revenir voir si tout va bien. Ça veut dire qu'il te faut un plan pour t'échapper. Oh, je crois bien que j'ai une idée. Tu vois, elle aura l'impression que tu dors dans ton lit. Sweetie et moi, on peut se relayer. Comme ça, quand l'une de nous en aura marre, l'autre viendra la remplacer. C'est génial, non? Tu veux mon avis? C'est génial! J'ai l'impression que ça va marcher! On va montrer à ma grande sœur que je n'ai pas besoin qu'elle me surveille. Arrête! C'est pas le moment de chanter, Applejack arrive! Si tu veux t'en aller, il faut qu'on te fasse sortir d'ici maintenant! Chercheuse de talent, ça va marcher! Tout va bien, mon petit sucre d'orge? Mets-toi dans le lit, moi je vais me cacher! Sweetie, non! Tu dois dormir comme Apple Bloom! Mais elle dort comment? De la même manière qu'elle fait tout le reste, avec du toupet! Oh, tu étais tellement épuisée que tu as renvoyé tes amis chez elle et que tu t'es couchée. Tu es comme une petite fleur fragile. Oh, dors bien, Apple Bloom. Je repasserai te voir dans un moment. Je viens juste voir si tout va bien. Tu n'as besoin de rien? Toujours besoin de rien? Tu veux une autre couverture? Est-ce que tu as toussé? Tu veux un verre d'eau? Je reviens voir si tu n'as besoin de rien. Oh, tu as l'air tellement tranquille quand tu dors. Et moi qui viens voir toutes les 5 secondes si tout va bien, alors que tout va bien. Tu n'as peut-être pas besoin que je m'inquiète tout le temps pour toi comme ça. Waouh, Apple Bloom sera tellement contente d'entendre ça. Quoi? Scoot à l'eau? Non. Sweetie Belle? Mais où est Apple Bloom? Elle n'est pas là. Elle peut être n'importe où. Elle est peut-être perdue. Elle a peut-être froid, faim, des démangeaisons, le nez bouché. Elle a peut-être besoin d'aller aux toilettes. Ne t'inquiète pas, nous on sait où elle est. Ouais, elle est partie livrer tes tartes. Quoi? Non! Elle n'a pas entendu à quel point c'était difficile et dangereux. Oh! Je ne reverrai peut-être jamais ma petite sœur. Bon, Rarity est en route pour venir s'occuper de vous deux. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'Apple Bloom a pris des bottes pour se protéger du feu? Un tabouret de dompteur? Une flûte de charmeur de serpent? Un peu de fromage de chèvre? D'accord. J'ai peut-être encore le temps de la rattraper avant qu'elle arrive là-bas. Elle est partie quand? Ça doit bien faire plusieurs heures. Oh non! C'est mieux de rester où tu es. C'est le seul endroit sûr qu'il y ait dans le coin. Ça ne me paraît pas vraiment sûr.
Quand je disais ça, je pensais à toutes ces flammes. Oui, elle ne parlait pas de nous. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous ne pouvez pas parler plus fort. J'étais sur le point de dire à notre invité que nous n'avions pas mangé depuis des jours. Mes sœurs et moi, on n'est jamais d'accord sur ce qu'on va manger. Sans pour les tartes. Oui, mais malheureusement, je dois livrer ces tartes dans une ville qui se trouve de l'autre côté des marais, alors... Oh, tu sais, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Ouais, à partir de maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter pour rien. Parce que nous allons manger notre tarte aux pommes avec un civet de pouliche. Vous rigolez. Allez, mes sœurs, à trois. Un. Deux. Attention d'aller où comme ça? De ta faute, tu te crois toujours obligé de commander. Oh, t'as de la chance, tu sais. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir une sœur qui passe son temps à surveiller tout ce que tu fais. Oh, eh bien, en fait... Essaie donc de m'écouter un peu pour une fois. C'est simple, s'il n'y a plus de tarte, régalons-nous d'un filet de pouliche. T'as un dernier souhait? J'aimerais tellement que ma sœur soit là. N'aie pas peur, Apple Bloom, je suis là! Attrapez-la! Hé, hey, je croyais que c'était moi qui commandais maintenant! Fromage de chèvre. Allez, viens. Est-ce que tu vas bien? Merci, Applejack. Je t'avais dit que tu avais besoin que ta grande sœur s'occupe de toi. Ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal que ça. Parce que on a perdu le chariot et toutes les tartes. Mais au moins, tu es... Oh, le chariot et toutes les tartes. Tu as réussi à les amener jusqu'ici, dans le noir, avec les jaillissements de flammes du marais et tous ces horribles monstres. Et toute seule? Eh bien, oui. Waouh. Ça, c'est vraiment impressionnant. Un poney qui est capable de faire ça tout seul,
n'a pas besoin d'avoir toujours quelqu'un comme moi sur le dos. Oh. Quel régal! Cette tarte aux pommes est encore meilleure que celle que fait ma petite maman! Hey! Oh, maman! Fais pas cette tête! Surtout, n'oubliez pas que si vous vous régalez avec ces bonnes tartes, c'est grâce à ma petite sœur. Et à ma grande sœur. Mais ça ne change rien au fait qu'essayer de faire cette livraison toute seule était de la pure folie, Apple Bloom. C'est vrai, je sais. Ah, j'espère que Granny Smith te punira sévèrement pour ce que tu as fait. Et si Big Macintosh, Granny Smith et moi, nous devons encore nous absenter pour une journée, je te ferai entièrement confiance pour rester seule et t'occuper de toutes tes corvées. Je crois que j'avais tort de toujours vouloir être là à te surveiller. Et si tu ne t'étais pas sauvée comme tu l'as fait, je ne m'en serais peut-être pas rendu compte. Ouais! Oh, Applejack, si tu savais comme je suis contente que tu acceptes de me faire confiance. Merci, grande sœur. Alors, on n'est pas fâchés. Ma petite sœur, on n'est jamais vraiment fâchés.